Coucou Christina, coucou. Coucou, coucou. Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Il est quelle heure? Il n'est pas encore 18h, oui. On va encore attendre 5 minutes. Bonsoir Mario. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, c'est pas de la voyance que je fais, hein. Je fais pas de voyance. Je suis médium, mais je suis pas de voyance. Bonsoir Jérôme, hein, bonsoir. Donc, je vous ai préparé une belle table avec des cartes. On va peut-être mettre un peu de lumière. Voilà. Voilà. Donc, ce qui serait cool, hein, c'est que vous me mettiez dans les commentaires les questions qui vous intéressent. Donc c'est pas de la voyance, hein, c'est pour avoir des messages spirituels, d'accord. Donc c'est pour vous permettre de savoir d'où vous en êtes, d'accord, où vous en êtes. Vous mettez votre prénom, parce que bon, là c'est par exemple Jérôme, c'est Jérôme, ok. Mais remettez votre prénom quand même, pour ceux qui veulent tirer une carte. Votre prénom, s'il vous plaît, et une question, d'accord. Et je verrai si la question est en accord avec ce soir, ok. Voilà. Pensez à vous abonner à mes nouveaux réseaux sociaux, VK, Odyssée, c'est très important. Très 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 important. Facebook, ça marche très très mal. C'est horrible. Il y a beaucoup de coupures, beaucoup de censure. Ça marche très très mal. Ça bug beaucoup. Donc pensez à aller sur VK, sur Odyssée. Vous avez tous mes liens, mais les nouveaux réseaux sociaux sont sous chaque vidéo, d'accord ? Sont sous chaque vidéo. Donc ce sont des réponses de l'univers pour savoir où vous en êtes. Bonsoir Daniel, bonsoir. Donc là, il y a trois jeux de cartes. Oui, il y en a trois. Voilà. Vais-je enfin trouver un appartement? Vais-je pouvoir enlever mes blocages, Christina? Alors, vais-je trouver un appartement, Christina Russo? Alors, Christina. Christina, bon, alors bonsoir Robert, bonsoir Daniel. Oui, ben, il y a un début à tout, Daniel. Hein. C'est pas de la voyance, attention, hein, j'insiste bien. C'est pour savoir où vous en êtes et pour vous aider à recevoir des réponses par rapport à vos questions, des réponses qui sont toujours positives pour vous encourager à trouver, à faire le bon choix. Alors, Christina, vais-je trouver un appartement? Alors, c'est l'amour. L'amour est la réponse que tu attendais.
vais-je pouvoir enlever mes blocages? Donc, je ne sais pas s'il faut une deuxième carte, je vais demander à l'univers. Alors, ma petite Christina. Donc, l'amour est la réponse que tu attendais. Vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur. Chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Donc ça, c'est par rapport à ta deuxième question. Voilà. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, hein, Christina. Hein. Bonsoir Pierre-Henri, bonsoir. Voilà. Je regarde de temps en temps si je n'ai pas oublié quelqu'un. Alors, Christina, tu peux me répondre hein, si c'est OK pour toi, si c'est bon. Daniel, comme c'est le hasard qui me conduit vers vous, je laisse l'univers m'apporter un conseil. OK, d'accord. Donc, c'est Daniel. Daniel, J.D. Lucier, c'est ça? Daniel, J.D. Lucier. Daniel, J.D. Lucier. Alors, je demande à l'univers un message pour Daniel. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre ici et maintenant? Eh bien, on va prendre ce jeu de cartes. Et on va prendre une carte comme ça. Voilà. Donc ça, là, c'est pour Daniel. Bonsoir, Jürgen. Oui, Christina, ça te parle? Ben, super, c'est très bien. Je suis contente pour toi. N'hésite pas à me rappeler, parce que si vous êtes nombreux à me poser des questions, je vais peut-être oublier. N'hésitez pas à me solliciter si j'ai oublié une réponse, enfin une question, etc. D'accord? Daniel, j'ai des Lucier. Oui, c'est ça. Ok, Daniel. Alors, Daniel, la réponse pour toi aujourd'hui, atelier s'émissaire. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de ton chemin spirituel. Tiens-toi prête à apprendre et tiens-toi prête à enseigner. C'est un beau message. Comment ouvrir mon cœur lorsqu'il se ferme, Christina? Ben déjà, sans carte, Christina, comment ouvrir ton cœur? Ben par ta volonté aussi, c'est-à-dire choisir pour toi ce qui est le meilleur, qu'est-ce qui est le mieux pour toi, est-ce que tu te sens mieux quand tu es dans l'amour, est-ce que tu te sens moins, est-ce que tu te sens bien quand tu es quand tu as la porte de ton cœur? Je pense pas, parce que tu peux avoir des douleurs, des oppressions, des douleurs physiques dans ton cœur, justement parce que tu fermes la porte de ton cœur, des problèmes de dos, mal au ventre, etc., insomnie, etc. Donc si tu te permets de lâcher prise et d'accepter tes ombres, d'accepter de t'aimer tel que tu es au moment présent, ça peut t'aider aussi à ouvrir ton cœur et à accepter d'être en ce moment dans une fermeture, dire je reconnais qu'aujourd'hui je suis en train de fermer mon cœur, mais je suis aussi en train de choisir d'essayer de l'ouvrir mon cœur pour que ce soit beaucoup plus facile à lâcher prise. Donc je suis en train d'apprendre à ouvrir mon cœur, à lâcher prise et d'accepter toutes les situations telles qu'elles sont pour que justement ce cœur s'ouvre. Donc c'est une question de choix conscient. Est-ce que je veux retrouver le bien-être? Donc là, bah, si tu veux retrouver le bien-être, tu ouvres ton cœur et tu laisses l'amour de ton être divin se diffuser et te traverser. Sinon, bah, si t'es pas dans le lâcher-prise, tu vas résister, tu vas lutter. Et là, ça sera beaucoup plus violent pour toi. Et du coup, tu n'es plus assez bienveillante envers toi-même. Donc l'amour
qui est en toi et l'amour qui te porte ne peut pas t'aider puisqu'il y a une fermeture. Je ne sais pas si ça peut t'aider. Alors par rapport à Christina, je vais quand même prendre une carte par rapport à ce que je viens de dire. oui, ce que vous demandez est vrai. oui, ce que vous demandez est vrai. voilà. Donc, Daniel, Daniel, c'est bon pour toi, Daniel ? Hein, je pense que tu dois être peut-être sur le chemin de la thérapie, des choses comme ça. Tu es peut-être thérapeute déjà ou... Et puis que tu n'oses pas faire des ateliers ou des séminaires. Enfin, il y a quelque chose que dans ce sens-là. Accepter ce que tu es, c'est-à-dire un être divin, et avoir la force, l'audace et le courage de faire ce que tu dois faire dans cette vie, ta mission de vie, de soigner, de donner des conférences. Donc, tu es en train d'apprendre et ensuite pour enseigner. Voilà, c'est ça. Ok, vous voyez, c'est pas de la voyance, hein, moi je suis contre la voyance, hein, même si je tire les cartes, je suis contre la voyance. Bon, après chacun fait ce qu'il veut, bien entendu, hein. Mais pour moi la voyance, on donne son pouvoir divin dans l'autre, c'est-à-dire dans la personne qui tire les cartes. Là c'est différent, c'est des conseils de l'univers pour savoir où on en est et si on est sur le bon chemin. Donc c'est complètement différent, hein, c'est pas pareil. On va pas vous dire, vous allez déménager à telle date, vous allez perdre quelqu'un, ok. Donc, hop, je remets ça, voilà. bon bah c'est cool, Daniel, on t'encourage, Daniel, c'est bien, on t'encourage. Donc, bah, les cartes te disent que tu peux avoir confiance en toi et que tu peux réaliser ce rêve. tu as des capacités, il faut avoir la confiance de qui tu es et reconnaître ton être divin pour qu'il se manifeste. Alors, Christina, c'est ok pour toi, Christina ? Oui ? Je sais, c'est pas toujours facile, parce que quand on souffre, on a tendance à fermer la porte de son cœur quand on souffre. Du coup, non seulement on devient victime, mais en même temps, on se fait du mal soi-même. On est son propre bourreau, parce que l'énergie d'amour ne peut plus circuler. Oui, ben voilà, tu as eu la confirmation, Daniel, que la carte 10, c'est une confirmation de l'univers, que ce que tu pensais était vrai et qu'on t'encourage à le faire concrètement dans la matière. Bonsoir, Joséphine. Bonsoir. Jean-Brice. Bonsoir, Jean-Brice. Je reviens un petit peu en arrière pour voir si j'ai pas oublié des questions. Oui, et puis bon, vous pouvez aussi, s'il y a des personnes qui veulent discuter un petit peu de ça, ils peuvent aussi m'appeler en privé, il n'y a aucun souci, hein, si on veut en discuter un peu plus, ou si vous voulez en discuter un peu plus plus approfondi, il n'y a pas de souci, hein, je suis à votre service. Alors, ok. Alors, pendant que vous posez une autre question, parce que là, il n'y a pas d'autres questions, moi, j'ai envie de profiter de cette opportunité ce soir pour demander à l'univers ce que les humains ont besoin, ici et maintenant. De quoi les humains ont-ils besoin en priorité ? Avez-vous demandé l'aide de vos anges ? Point d'interrogation. Donc, ça veut dire que nous, les humains, on a des fois du mal à demander de l'aide,
de l'aide subtile à l'univers, aux anges. Donc si on ne demande pas d'aide, on ne peut pas être aidé par les anges parce qu'on a le libre arbitre. Ils ne peuvent pas nous aider. Mais si vous osez demander de l'aide aux anges, ils vous aident. Voilà. Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Voilà, c'est ça. Donc les humains, on va dire en globalité, hein, puisque là on a demandé la question de quoi a besoin les humains en priorité, et bien c'est qu'ils prennent conscience qu'on n'est pas seul en fait, qu'on n'est pas seul, qu'il y a des êtres de lumière, il y a autre chose dans l'univers, on n'est pas tout seul et qu'on peut demander de l'aide justement suivant ses croyances, hein, on demande de l'aide suivant ses croyances et qu'on est aidé, voilà. Et qu'ils ne peuvent pas intervenir si on n'a pas... Ils attendent notre permission, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, comme je parlais des humains, qu'est-ce que les humains ont besoin de priorité, je pense que c'est bien de demander de l'aide aux anges, ici et maintenant, donc c'est-à-dire nous, les humains, en ce moment, pourquoi en ce moment? Pour sortir de cette situation, c'est-à-dire de ce qui se passe autour de nous. Pour retrouver notre liberté. Voilà. Joséphine, un conseil de l'univers pour moi. Oui, bien sûr, Joséphine, avec plaisir. Joséphine, Julie, Mahazoratz. Ouais, ok. Alors, Joséphine, je suis lumière. La lumière est en moi. La lumière est autour de moi. La lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi. Je reste dans la joie. Je brille de toute ma splendeur. Simplement, par mon rayonnement, j'aide et j'éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Alors, ce qui est très beau dans cette carte, c'est que la carte qui vous dit, qui dit à Joséphine, je suis lumière, donc c'est Joséphine qui est lumière au milieu, et tous les êtres qui sont endormis, qui sont peut-être dans l'ombre, mais qui sont bien endormis, donc elle rayonne, elle brille sa lumière pour ensuite que les autres soient touchés de sa lumière. Et tout doucement, par dose homéopathique, dans cette vie peut-être, ou dans une autre vie plus tard, les gens se réveillent. Voilà. Et pour les personnes qui sont attirées par cette lumière, vont vous demander, ça va les interpeller, donc ils vont avoir plus envie d'être dans votre entourage, parce qu'ils sont en accord avec votre énergie, même s'ils ne le savent pas, ils sont en accord. Et les autres, ben, ils vont s'écarter de votre chemin. Hein. Il y a trop de lumière, ils s'en vont. Hein. Ceux-là, ils s'en vont. C'est pour ça que vous avez des amis qui s'éloignent de temps en temps, qu'il y a de nouveaux amis qui arrivent. C'est normal. Vous continuez d'élever votre taux vibratoire et les personnes qui sont en accord avec votre énergie vous suivent, ou alors, si ça va trop vite pour eux, ben, ils arrêtent de vous voir pendant un certain temps. Christina, j'ai oublié. Enfin, c'est par rapport à ce que je disais, Christina, c'est ça? Merci, Daniel. Joséphine, est-ce que c'est OK pour toi? Oui, merci, Joséphine. Merci à toi, merci. Il faut qu'on se rende compte qu'on a tous, on est tous à sa place. C'est comme un pulse, hein. Chaque pulse est à sa place. Donc nous sommes une partie d'un pulse et chaque personne est importante et à sa place. Donc on a tous besoin des uns et des autres. Mais ce qui compte, c'est l'unité. Hein, c'est ça en fait. La solution, c'est l'unité. Comme je disais, c'était je ne sais plus quel jour dans cette semaine. Je crois, oui, c'est mercredi soir.
Mercredi soir, j'ai fait un atelier art-thérapie, donc lecture inspirée et dessin intuitif. Et dans la lecture que nous avons prise, j'ai pris un bouquin au hasard et j'ai lu un livre. Et dans ce livre, on nous explique que dans les êtres hautement évolués, il n'y a pas de séparation avec les uns et les autres. Il n'y a pas de compétition, il n'y a rien parce qu'ils sont unis. Et c'est ça leur force en fait. C'est ça la solution. Un changement de conscience individuelle pour ensuite que la conscience collective puisse changer. Donc plus il y a de personnes qui vont s'éveiller, plus il y a de personnes qui se réveillent à leur divinité intérieure et qu'ils manifestent, la conscience collective va changer. Donc en train de changer le monde et on est déjà dans ce nouveau monde qui est déjà là. Et on est entre les deux, mais il faut continuer, voilà. Il faut continuer, il faut... Et moi je dis toujours, c'est pas utopique, il faut y croire, il faut croire en l'être humain et avoir des pensées positives pour notre monde. Qu'est-ce qui vous gêne le plus dans le monde? Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans le monde? C'est ça qu'il faut travailler, qu'il faut œuvrer pour vous. Par exemple, moi, ce qui me dérange le plus, bon, bah, c'est les viols pour enfants, les sacrifices, tout ça. Donc le trafic humain, c'est, pour moi, c'est horrible, tout ce qui touche à un enfant. Donc c'est ça qu'il faut changer, sa façon de voir les choses, sa façon de voir le monde. Il faut absolument qu'on change notre façon de penser sur les hommes et les femmes. Bon, là, c'est plutôt les hommes. Hein. Changer sa façon de voir, de penser sur les hommes pour que les hommes puissent changer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? On doit changer notre façon de penser sur les hommes pour que les hommes changent. On doit changer sa façon de voir le monde pour que le monde change. C'est ça le changement de conscience individuelle. Voilà. Donc au début, quand on est sur ce chemin-là, on a beaucoup de pensées négatives, il faut les transmuter. Je laisse repartir ces pensées d'où elles viennent et je choisis, et vous dites le contraire, je choisis, on choisit son camp en fait. L'univers entend ce que vous entendez. La parole est créateur. Vous êtes des créateurs. Vous êtes des créateurs et on est en train de créer le nouveau monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, vous pouvez tirer une carte sans question. Hein. Quand je tire une carte, je n'ai pas toujours des questions. C'est juste des petits rappels ou... Et c'est toujours au moment présent, hein, quand vous tirez une carte, c'est toujours par rapport à ce que vous vivez au moment présent. Mais quand je dis présent, c'est-à-dire aussitôt, ici et maintenant. Si par exemple, vous êtes en colère et vous regardez la vidéo, vous allez tirer une carte qui est en fonction de votre colère. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez une mauvaise nouvelle ou quelque chose comme ça, vous tirez une carte, vous allez avoir la réponse par rapport à ce que vous vivez au moment présent. Donc c'est pour ça que ça peut changer tout le temps. Voilà. Un conseil, d'accord. Donc que tu laisses l'univers te dire ce que tu... Ouais, par rapport à au moment présent. Ok. Donc je demande à l'univers pour Christina une carte, ici et maintenant. Il y a une carte de tombée, c'est bon. Quand vous avez une carte qui tombe, c'est aussi le signe que c'est la carte. Voilà. Alors, Christina. Ah ah. Tu voulais un conseil, tu en as un. C'est extraordinaire. Sur l'alimentation. Sur l'alimentation. Alors, les fruits et les légumes frais et biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Oui, la viande, ça vous rabaisse le taux vibratoire.
La viande, donc on est plus dans la matière. Moi, je sais que mon fils, quand il était tout petit, mangeait beaucoup de viande. Je me disais, c'est bizarre, parce qu'il était très spirituel, il était connecté, il avait ses antennes qui étaient bien ouvertes et tout ça. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris avec lui. Et je ne comprenais pas, je me disais, ça va à l'inverse de ce qu'il est. Et en fait, la réponse a été, c'est qu'il est tellement, tellement haut. Enfin, à cette époque-là, parce que maintenant il expérimente autre chose, mais il était tellement haut au niveau spiritualité qu'il avait besoin de manger de la viande pour se rattacher à la terre. Voilà. Donc nous, on a plutôt envie de s'élever, hein, bien sûr, hein. Donc fruits et légumes frais biologiques pour augmenter son taux vibratoire, son regain d'énergie et pour avoir une belle fréquence spirituelle. Donc l'alimentation joue aussi, hein. Merci Christina pour cette carte parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas et grâce à toi, tu vois, on peut en parler. On peut en parler. C'est important de. C'est important. Donc là, c'est un conseil sur l'alimentation. Ah ben voilà, c'est ça. Donc tu manges certainement beaucoup de légumes et pas assez de fruits. Donc les fruits, ben, c'est aussi, on a besoin principalement de fruits et de légumes. Et c'est vrai que les fruits, c'est aussi d'autres propriétés, dont les vitamines, etc. Et puis le regain d'énergie aussi, bien sûr, hein. Et pas assez de bio, oui. Alors moi, ce que je fais, parce que le bio, ça coûte cher, en fait, je fais très peu de courses, mais en fait, je prends l'essentiel, hein. Très très peu de courses. Donc, quand j'achète des bananes, je les prends bio. Quand je prends du citron, je les prends bio. Mais j'achète vraiment l'essentiel. Donc, j'ai aucune réserve de gâteaux, trucs comme ça. Moi, j'ai jamais rien de trucs comme ça. Ça fait des années que j'achète plus de ces choses. J'achète vraiment la base pour pouvoir cuisiner. Voilà. Parce que le bio, ça coûte cher. Ou alors, il faut aller dans les marchés. Dans les marchés, vous avez des fois des personnes, des maraîchers qui vendent des légumes bio, ou alors vous allez chez eux et c'est beaucoup moins cher. Hein. C'est beaucoup moins cher. Et en plus, ce qu'il faut savoir aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on mange vraiment bio, c'est-à-dire vraiment chez des maraîchers, et qu'on est sûr que c'est vraiment bio, eh ben, vous en mangez moins, parce que la nourriture que vous mangez est beaucoup plus, comment dire, nourrissante. Elle est plus. Ça cale plus. Si vous mangez du riz complet, vous allez en manger deux fois moins que du riz blanc. Si vous mangez du pain blanc dégueulasse que vous avez faim une heure après et qui donne mal à l'estomac, et c'est pas terrible, que si vous mangez du pain bio, le pain il cale, mais il est super bon. Vous en mangez une ou deux tartines, ça vous cale quoi en fait. Hein? En fait, tout ça c'est une question de. Après, chacun fait comme il a envie, mais bon, c'est des petits. Tu veux des conseils? Ben voilà, c'est un conseil. C'est marrant. Mais c'est un conseil pour tout le monde, ça. Muriel. Coucou Muriel. Oui, Muriel, je tire les cartes aussi. Oui, j'ai plein, 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 plein de jeux de cartes chez moi. Alors, c'est pas de la voyance, hein, Muriel. C'est pas de la voyance. Ce sont des phrases positives et tu reçois. C'est l'univers qui te donne des réponses par rapport à. Enfin, qui te fait voir où tu en es à ce moment présent. Donc, par exemple, Muriel, je peux demander à l'univers quelle carte dont tu as besoin, si tu en as envie. Il faut d'abord que tu me donnes l'autorisation et la permission de tirer une carte pour toi, si tu as envie. Ok? Ok Muriel, donc je demande à l'univers une carte pour Muriel. Bon, en plus, je te connais bien, Muriel, donc ça va être encore beaucoup plus fort. Oui, ce que tu demandes est vrai. Voilà. Donc, c'est la carte vérité.
Donc c'est toi qui sais dans quelle situation cette carte est tirée aujourd'hui, la carte vérité, et on te répond oui, ce que tu demandes est vrai. Voilà. On t'encourage à croire en toi, on t'encourage à avoir confiance. Si tu veux des précisions, Muriel, tu me le dis, j'ai le livre qui va avec, hein, le petit cahier, le petit livre qui va avec. Tu peux regarder vite fait si tu veux. Cette carte t'indique, Muriel, que ta vision de la situation est la bonne. Tu sais déjà la vérité, même si cette information est cachée au plus profond de toi. Prends un moment d'arrêt et observe ce que te dit ton corps au sujet de la situation. Ton corps connaît lui aussi la vérité, et il te la dira si tu prends la peine de t'arrêter pour écouter. Ferme les yeux, respire profondément. Et pose la question dans ta tête. Écoute ensuite les mots qui te viennent à l'esprit. Tu reçois la vérité pour toi. Et elle a choisi des mots et des émotions pleins d'amour et de tendresse, même quand ils disent quelque chose que tu ne veux pas entendre, comme lorsqu'ils vous demandent de faire un changement pour lequel vous ne vous sentez pas prêt. Cette carte te demande aussi de dire la vérité tant à toi-même qu'aux autres. Si on parle à la manière des anges, en utilisant des mots et des gestes qui viennent du cœur, il vaut mieux dire la vérité. Si tu as peur de le faire, demande à l'archange Michael de te donner du courage de te protéger. Il t'aidera aussi à savoir exactement ce que tu dois dire et quoi faire pour le bien de tout le monde. Voilà. Voilà, ma petite Muriel. Ok. Alors. Après, peut-être que sur le moment, tu peux peut-être pas toujours. On comprend pas toujours des fois dans quelle situation. Mais si tu prends le temps d'intérioriser, de fermer les yeux, tu vas comprendre et puis tu vas être aidée. T'inquiète pas. Alors, Rita. Coucou Rita. Ah, heureuse de te voir. Coucou. Bonjour à toi. Il n'y a pas de comment de tu peux tirer une carte, il n'y a aucun souci. Ouais, ok. Alors pour Rita, je demande à l'univers une carte pour Rita. Alors, je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi, tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard, me reviendra. Que ce soit positif, que ce soit négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors, je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Voilà Rita. J'espère que cette carte va te donner la force de continuer d'être sur le chemin de la lumière, ce que tu es déjà, d'être encouragée sur cette voie. Des fois, oui, j'essaye de dire des vérités, mais qui ne sont pas faciles à exprimer. Mais je suis en amélioration par rapport à ça. Oui, bien sûr, oui, je pense que les méditations, les sophros, ça t'aide à avoir plus confiance en toi et à te donner de la force pour débloquer, enfin harmoniser ton chakra de la gorge.
pour parce que si on a du mal à s'exprimer les non-dits ou qu'on n'ose pas dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent, eh bien le chakra de la gorge, lui, il est en désharmonie et du coup il y a un blocage. Et bah, on peut se payer des angines, de la toux, des choses comme ça. Hein. Tout ce qui est ORL en fait. Hein. On peut aussi avoir des comment, si on est trop en colère après quelqu'un, et ben par exemple tu peux te retrouver à faune parce que tu n'as plus envie de parler, donc tu es à faune. Tu vois, c'est le corps qui parle en fait après. Si on ne s'exprime pas par la parole, c'est le corps qui parle. Donc c'est par le c'est la mal a dit. Donc c'est les maladies après qui prennent le relais. Des fois, je ferai pas mal de penser un peu plus à moi. Bah oui, bien sûr, oui. Oui, il faut. C'est un équilibre donner et recevoir. Il faut donner pour recevoir, mais ici, il faut aussi accepter de recevoir et prendre conscience qu'on a. Il faut aussi en priorité penser à soi avant de penser aux autres. Il faut écouter son cœur en fait, mais pas sa tête. Bien souvent, toi, un exemple, je sais pas moi, on t'invite à manger. Bon, on t'invite à manger, t'as vraiment pas envie d'y aller. Mais tu vas y aller par obligation, parce que ça se fait pas, parce que qu'est-ce qu'on va dire, parce que c'est la famille, parce que ceci, parce que cela. Donc tu te donnes plein de raisons pour y aller, mais en fait, tu vas te sentir super mal parce que c'est pas ton cœur, t'avais pas envie d'y aller et tu le fais quand même. Donc tu ne t'écoutes pas et ça peut que mal se passer. Voilà, t'as pas écouté ton intuition. Donc il faut apprendre à s'écouter et puis bonsoir Rosane. Rosane. Est-ce que je prononce bien Rosane? Oui, alors quand c'est pas facile à exprimer par la parole, il faut demander de l'aide aussi. Tu dis je demande à. Je demande de l'aide pour parler avec justesse, parler avec amour et avec bienveillance. Et voilà. Après, Muriel, quand tu dis les choses, tu es complètement libérée, soulagée. Ensuite, si la personne en face de toi réagit, ne réagit pas bien, parce que tu peux avoir, toi, tu peux dire, imagine, tu as 5 personnes devant toi. Tu as 5 personnes, d'accord? Tu dis la même chose aux 5 personnes. Les 5 personnes vont réagir différemment, suivant leur histoire, leur culture, leur croyance, leur sensibilité, leur souffrance. Donc 5 personnes vont réagir différemment. Il y en a une qui va être d'accord avec toi, il y en a une qui va se mettre en colère, il y en a une qui va peut-être pleurer, enfin bon, toi. Mais la réaction des autres personnes, quand tu dis quelque chose qui est juste, ça ne te concerne plus dans le sens que tu restes dans la compassion, bien sûr, mais ça ne te regarde plus, c'est à eux de travailler sur eux aussi. Tu es un miroir pour les autres et les autres sont un miroir pour toi. Donc en fait, ça ne nous appartient plus. La réaction des autres quand ils entendent nos réponses, ça ne nous appartient plus. C'est à eux. C'est parce que c'est, ça les interpelle par rapport à leur sensibilité intérieure, toi. Ou une mémoire qui remonte à la surface. Et je ne sais pas si... Il y a plein de choses à dire hein, par rapport à ça, Muriel. Hein, t'as vu? J'espère que... Que c'est ok pour toi, Muriel? Oui. Oui, avec plaisir, Muriel. Il faut qu'on prenne l'habitude de dire les choses sur le coup, parce que déjà, il y a moins de véhémence, d'agressivité, si on le dit aussitôt, je pense, enfin pour moi. Parce que si on dit ça un mois après, on peut avoir un peu plus de vengeance, de choses comme ça, et ça, c'est pas bon du tout. Donc, faut oser se permettre de dire les choses aussitôt. Déjà, tu es soulagé et tu manifestes ce que tu es, c'est-à-dire que tu te respectes. Tu te respectes aussi en tant qu'être divin. Tu te respectes, tu dis les choses et tu approuves ce que tu dis. D'accord? C'est important ça aussi. C'est une question de respect de soi. Quand on a du mal à... Quand on n'ose pas dire ce que l'on ressent, même si c'est dans un couple, hein, c'est... La plupart aussi, c'est souvent dans les couples ou les parents-enfants. Et dans un couple, si on a peur de dire les choses à son conjoint, c'est un exemple, hein, bien sûr, hein, et ben c'est pas bon parce qu'il a ton pouvoir. Tu lui as laissé ton pouvoir entre ses mains. Donc, on reprend notre pouvoir et on n'accepte plus d'être non respecté. Voilà. Ça aussi, ça en fait partie hein, de tout ce que je dis.
Mais on n'a pas été habitué comme ça, parce que dans il y a la religion, il y a plein de choses qui fait qu'on a été bloqué, les croyances qui sont beaucoup beaucoup de croyances erronées, l'éducation qui aussi nous a beaucoup perturbés, emprisonnés, enchaînés, et ce qui fait qu'on n'est pas soi-même. Il faut être soi-même. Il faut être soi-même. Rita. Totalement d'actualité cette carte, et j'ai bien conscience que je dois faire attention à tout ce qui n'est pas lumière, pensée, écrire, écriture, lecture, car je me suis un peu écartée du chemin. Prise par le mental, les peurs, les anciens schémas, je reconnais que je me suis laissée rattraper par tout ceci dans ces moments où je me suis laissée submerger par les facteurs extérieurs, vouloir aider mes parents, l'accident, etc. Et cela fait 3 semaines que je rame à nouveau. Il n'y a que moi qui peux rectifier le tir. Oui, bah c'est bien Rita, si cette carte t'a réconcilié à toi-même et que tu et qu'elle te remet sur les rails pour que tu puisses justement avoir la volonté de dire stop et de penser à toi. Et voilà, bah oui, il faut penser à toi aussi, hein. Et puis c'est vrai que quand on est dans une galère pas possible comme tu l'es, et ben ça, on peut avoir des pensées négatives, et les pensées négatives nous apportent des situations ou des personnes négatives. Donc c'est une autodestruction, hein, c'est une chaîne sans fin. Donc il faut sortir de ce cercle destructeur pour pouvoir enrayer un processus de guérison et te libérer de tes chaînes, puisque c'est nous qui créons nos pensées, c'est nous qui créons nos paroles, hein. On est notre propre créateur. Il n'y a que nous qui pensons, personne ne peut penser à notre place. Donc on fait attention à ce que l'on pense. Si on a des pensées de compassion, au lieu d'avoir des pensées de vengeance ou des pensées destructrice, si on a des pensées de compassion, on a plus de chances à guérir notre passé, nos vies antérieures, enfin tous nos blocages, etc. Et on se libère tout doucement, petit à petit, on se libère, on se libère, on se libère. Et plus on avance comme ça, et plus vous allez avoir devant vous des miroirs de moins en moins négatifs. Vous allez attirer des gens avec des miroirs positifs. Les miroirs positifs, c'est quoi? C'est des personnes qui vous disent: waouh, t'es trop belle aujourd'hui. Merci, c'est un beau miroir, ça. Les miroirs négatifs, c'est un miroir négatif, ça va être un exemple: bah, t'as pas pris des kilos, toi? Waouh, super, merci, c'est pas très cool, t'es pas très indulgente, t'es pas psychologue pour un sou. Ben oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le miroir me dit ce que je pense. Moi, je me trouve forte ou grosse, ou j'ai pris des kilos, je me trouve grosse, donc on m'envoie des miroirs pour me dire: bah, travaille ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as raison, je me suis totalement oubliée une fois de plus et je me suis mise des chaînes. Bah oui. Voilà. Bon, je sais bien, c'est facile à dire et difficile à faire, mais ce qui est important, toi, Rita, c'est que on prend conscience qu'on peut reprendre tout depuis le début, ici et maintenant, c'est-à-dire ce soir, c'est-à-dire là, à 18h37, tu décides de changer ta vie. Et donc, tu penses différemment, comme je disais tout à l'heure, on pense différemment. Tu changes ta façon de penser sur la situation, tu lâches prise, tu l'acceptes et l'univers va t'aider. Mais tu demandes aussi de l'aide, bien sûr, à l'univers, hein. Et puis, prendre le temps de s'écouter quand on est dans une galère, si on est fatigué, bah, il faut aussi se reposer, etc. Sinon, on ne peut pas aider les autres. Bonsoir, Nonam. Bonsoir, bonsoir. Donc, Nonam qui vient de se connecter tout de suite. Donc je fais un petit rappel parce que je ne le connais pas. Je suis thérapeute, mais je ne suis pas, je suis médium et je ne fais pas de voyance. Donc les jeux de cartes, c'est pour te donner l'information présente où tu en es, ici et maintenant. Qu'est-ce que tu dois faire, comprendre pour ton devenir, pour ton futur. Voilà. Mais ce n'est pas des cartes de voyance. D'accord? C'est des cartes qui sont toujours positives et qui te dit ce que tu dois entendre pour ton bien-être et ton cheminement spirituel. Voilà.
Et il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas, on tombe toujours sur la bonne carte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est magique, mais il n'y a rien de magique parce que c'est comme ça. Alors, si quelqu'un veut poser une question ou sans question, moi, mais si quelqu'un veut que je tire une carte, il y a avec plaisir. Coucou Christophe. Alors Christophe, je refais un petit rappel pour toi qui vient de te connecter. Si tu veux que je tire une carte, je peux le faire seulement si tu m'en donnes la permission. Alors, je n'ai pas de questions, mais si tu as une inspiration, c'est cool. Ok, alors je peux demander à l'univers de tirer une carte pour cet instant ici et maintenant. C'est comme tu veux. Si c'est ok pour toi, tu me dis. Tu mets ok. Donc une carte inspirée pour toi. Et moi, je sers d'intermédiaire, de canal. On a parlé d'alimentation, on a parlé de plein de choses. Ok. Donc, je demande une carte à l'univers pour Nonam. Nonam. Ok. On va prendre celle-là. Guérisseur. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. C'est bien ça. Voilà, une très très belle carte. Donc peut-être que tu es sur ce chemin là justement, peut-être que tu es en train d'apprendre ou tu es thérapeute, je sais pas, hein. Ou que tu as envie, ou que tu as y pensé mais que tu n'oses pas le faire, et ben on te dit que tu as la capacité de guérir les gens. Alors Christophe, si Christophe, si tu veux que je tire une carte pour toi, Christophe, tu me dis, et si tu me donnes l'autorisation, si tu me donnes la permission, je le fais pour toi. Il suffit juste que tu me dis ok, d'accord? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup, de plus en plus de thérapeutes sur Terre. Pourquoi? Il y en a beaucoup, beaucoup, je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que quand on est sur un chemin de spiritualité, on est en train de s'ouvrir à l'amour universel, on change sa façon de penser, on change sa façon de voir les choses, etc. Donc on est complètement différent des autres. Et donc les miroirs qui arrivent pour nous faire évoluer, on change. Donc on change complètement. Les personnes qui nous entourent ne nous reconnaissent absolument plus parce qu'on a tellement changé. Mais on ne peut plus faire marche arrière parce qu'on se sent de mieux en mieux. Et donc, on a des expériences, beaucoup d'expériences qui nous arrivent pour justement continuer ces changements, parce que c'est nous qui l'avons décidé. Et c'est ça qui nous change et qui nous guérit, bien sûr. Et il faut savoir que toutes les personnes que vous rencontrez dans vos expériences sont des miroirs, ce sont des anges terrestres qui sont venus à vous pour vous guérir. Donc, toutes les expériences que tu rencontres, quelles qu'elles soient, que ce soit un compagnon, une compagne, un enfant, un voisin, le travail, un collègue de travail, n'importe qui dans un supermarché, n'importe qui que vous rencontrez est une personne que vous avez attirée inconsciemment pour vous apprendre des choses sur vous-même, pour vous connaître et pour affiner vos... pour vous connaître et puis aussi pour vous guérir vos anciens schémas de pensée, vos anciens schémas de souffrance, etc. Pour que vous soyez de moins en moins victime, que vous preniez en charge, etc. Et après, il arrive un moment donné où quand on a compris tout ça, il faut partager. On ne peut pas garder cela pour soi. Quand vous avez des inspirations divines, des compréhensions divines et que c'est complètement intégré, il est utile de partager cela aux autres. C'est très important. D'accord ? Donc, voilà, donc c'est toi qui sais, évidemment, Nonam, à quelle marche tu es pour aider les autres. Mais même si tu es sur la première marche, tu as la possibilité d'aider les autres par ta simple présence, par ton simple rayonnement d'amour.
Avec ton cœur, tu aides les autres par un sourire, par un geste affectueux, etc. Et voilà, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Voilà, donc la lumière verte, c'est l'énergie de comment, de l'archange Raphaël. L'énergie verte, c'est l'énergie de guérison. Avec le maître ascensionné. Oh là là, mince, j'ai un trou, ça va me revenir. Ça va me revenir. Parce qu'il y a toujours le maître ascensionné avec l'archange, ils travaillent tous les deux. L'énergie verte, la flamme verte. Bon, ça va me revenir. Qui est utilisé aussi pour une meilleure circulation énergétique dans le corps. Alors, ben, je t'encourage, Nonam, à accepter ce pouvoir guérisseur en toi, à l'accepter. Et il faut absolument, c'est indispensable. Si on veut continuer d'ascensionner dans la lumière, on a des informations qui nous remplissent, d'accord? Donc, l'énergie de guérison, c'est quelque chose qui te remplit. Et il faut donner après, il faut que tu te permettes et que tu acceptes de vider ce corps, ce temple, de tout ce que tu reçois. Donc la lumière, c'est aussi l'information. La lumière, c'est la guérison, c'est l'amour. Donc il faut aussi accepter de donner, de partager, de donner pour mieux se réemplir à nouveau. Parce que si c'est plein, 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 la lumière, l'énergie, l'information, si elle est pleine, ton corps ne peut plus recevoir en tant que réceptacle, d'accord? Donc c'est important de partager. Rita, ton histoire du partage résonne beaucoup et depuis longtemps, mais là c'est comme une piqûre de rappel. Oui, bah oui. Vous êtes mes miroirs et je suis votre miroir. Et bien souvent, j'ai remarqué aussi quand je suis en stage ou quand j'encadre des stages ou quand je fais des ateliers, bon ben là, sans doute, ça doit faire pareil. Du coup, en fait, hein, ça doit faire pareil. Quand je parle de quelque chose, la personne qui est en face de moi en stage ou en consultation, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est parce qu'elle doit l'entendre aussi. Donc moi, je n'ai pas toujours les réponses à tout, je n'ai pas toujours l'info, mais si je le dis, c'est que ça doit être important pour la personne en face. Voilà. Oui, c'est ça, Christina. Et en plus, je suis en vert. Et en plus, je suis en vert ce soir. L'énergie, la flamme du maître ascensionné Saint-Hilarion. Voilà, qui travaille avec Raphaël. Donc, ça, c'est pour nos âmes. Donc, ton aura, elle doit être certainement verte, certainement. Il faudrait voir ça. Avec un pendule ou un autre moyen. L'énergie verte de guérison. Donc, tu peux travailler, demander de l'aide à Saint-Hilarion et à Raphaël pour faire les soins. Les soins ou autre chose. Hein. Ça peut être pour parler avec quelqu'un, hein, bien sûr. Hein. Parce que par la puissance de ta parole, tu peux aider les gens aussi et guérir les gens. C'est important. Platon le faisait déjà, Platon. Il soignait les gens par la parole. C'est le principe de la sophrologie. Merci Christina. Merci Christina de ce petit rappel. J'avais un bug. Eh oui. Mais c'est intéressant, vous voyez, parce que bon, on tire des cartes, mais en même temps, on parle de plein de choses qui peuvent interpeller d'autres personnes et puis qui sont certainement des paroles qui doivent être entendues pour l'énergie du moment. C'est l'énergie du moment, certainement. Donc l'alimentation, la guérison, la parole, dire les choses. Respecter son être divin, se respecter. Donc, je suis super contente, super heureuse de partager tout cela avec vous. Tu les as ressentis. C'est bien, Christina, c'est cool. Ouais.
on peut remercier Nonam, bien sûr, oui. Moi, je remercie, j'attends de voir s'il y a d'autres questions ou d'autres personnes qui veulent que je tire une carte sans question, parce qu'on peut tirer une carte sans question. En attendant de tirer une carte pour quelqu'un, j'ai envie de vous dire de... Je vous remercie énormément pour ce que vous êtes et pour ce que vous donnez. Je n'ai pas entendu les 30 premières minutes. On pouvait poser des questions. Tu peux poser une question, Rita? Tu peux poser une question pour les cartes, tu sais? Tu peux poser une question. Et après, là, tu as une réponse avec la carte. Joséphine. Une. Ah, une question, c'est ça que tu veux? J'avais pas compris. Ça doit être ça, Joséphine. Hein. Tu veux aussi une carte. C'est ça que tu veux, hein? Ok. Alors, pour Joséphine. Atteindre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas, dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. Voilà. Voilà, Joséphine. Tout un programme, plein de choses à dire là-dessus. Oui, allez, arrêtez d'aller chercher à l'extérieur l'amour, la paix, etc. On a tout à l'intérieur de soi. Un exemple, quand on souhaite rencontrer un compagnon, je vais parler de moi puisque je suis une femme, quand on souhaite, bien que bon, bien qu'il y a aussi, y a pas, ça sera peut-être une femme bien entendu, hein. Bref, donc là c'est un compagnon pour moi, je demande à l'univers qu'il me guide vers un compagnon en accord avec moi, donc je suis prête à accueillir une nouvelle âme dans ma vie. Vous voyez un petit peu ce qui, la différence de comment on peut penser dans notre tête. C'est comme ça qu'il faut agir, d'accord? Mais avant cela, donc vous faites la demande, mais avant cela, si vous êtes en pleine souffrance ou si vous avez encore des rancœurs, si vous avez encore des choses à régler avec votre ex-compagnon, on va dire, par exemple, eh bien, vous ne serez pas prête à accueillir cette nouvelle âme. Il faut d'abord bien, bien purifier et guérir toutes vos émotions négative et vos pensées négatives par rapport à cette personne. Et pardonner. Le pardon libère. Donc, pendant un certain temps, il va falloir travailler, œuvrer sur vous pour vous sentir bien. Et quand ce travail va être fait, avant d'accueillir une nouvelle âme dans votre vie, ce qui est important, c'est d'être bien avec soi-même. Pourquoi ? Si on cherche toujours l'amour à l'extérieur, cette personne sert de béquille et c'est pas bon. Il faut que vous soyez heureuse, en paix et bien avec vous-même. Et quand vous avez expérimenté cette richesse intérieure, vous allez avoir après, ensuite, la possibilité d'être heureuse à l'extérieur. Il faut vous sentir bien en vous pour pouvoir après attirer quelqu'un comme vous. D'accord ? Donc, c'est tout un cheminement, vous avez vu, c'est tout un processus. Et quand vous avez... arrêtez de chercher l'amour à l'extérieur de vous et que vous avez reconnu cet amour en vous, vous reconnaissez cet amour en vous pour vous-même, par amour pour vous-même, ensuite cet amour elle déborde et vous rayonnez et là vous allez attirer quelqu'un. Donc c'est un exemple, là, mais c'est pour tout. Là j'ai parlé d'un compagnon ou d'une compagne, mais c'est pour tout. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de chercher à l'extérieur, on a tout en nous. On a tout l'univers en nous, on a toutes les planètes, on a tous les maîtres ascensionnés, on a les anges, on a Dieu, vous êtes des dieux, vous êtes une partie de Dieu dans Dieu, d'accord? Vous êtes, nous sommes dans le corps de Dieu, on a tout l'univers. Et donc c'est pour ça qu'on a toutes les informations et toute la vérité en nous.
Et quand vous retournez à l'intérieur de vous, vous retournez dans cet endroit qui est sacré, qui est où là vous recevez de l'amour, là vous êtes compris, vous êtes entendu, vous êtes reconnu, et ensuite vous pouvez ensuite après partager cette connaissance-là aux autres. D'accord? Je continue pour la carte parce que c'est très intéressant. Et tout ça, bien sûr, cette introspection, ce travail intérieur va vous permettre de vous transformer. Bien sûr, vous allez vous transformer et pas à pas, vous allez vous libérer de toutes vos souffrances pour atteindre la paix. Donc ça se fait au fur et à mesure du temps. Et donc la richesse, la plus importante, ce n'est pas les richesses extérieures, c'est votre richesse intérieure, c'est ce que vous, c'est votre... Quand vous êtes heureux, que vous êtes en paix avec vous-même, que vous êtes heureux, que vous souriez, que vous êtes en joie, ça c'est une richesse. Ça vous permet d'être en bonne santé, d'être optimiste, ça c'est une richesse. Il y a plein de gens qui ont de l'argent et qui sont dépressifs parce qu'ils sont vides. Ce sont des coquilles vides, ils n'ont rien à l'intérieur à quoi se raccrocher parce qu'ils n'ont jamais été à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils recherchent tout à l'extérieur. Un exemple complètement futile. Il y a des gens qui vont péter les plombs s'ils sont dans le silence, ils ne peuvent pas méditer dans le silence. Donc ils arrivent dans la voiture, ils allument la radio. Ils arrivent chez eux, ils mettent la télé. Même s'ils ne l'écoutent pas, mais il y a toujours du bruit. Mais tout ça, c'est de l'extérieur. Comment pouvez-vous entendre l'extérieur si vous n'écoutez jamais l'intérieur? D'accord? Ensuite. Voilà. Donc, je suis bavarde. Alors. Donc ça, c'était pour Joséphine. Je regarde si Joséphine a répondu non. Donc voilà, Joséphine certainement à l'écoute. Rita, une carte en rapport de mon changement de vie total. Oui, bien sûr, Rita. D'accord, bien sûr. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, je demande à l'univers une carte pour Rita. Alors Rita, il faut que tu demandes l'aide à l'archange Raphaël. Il est encore là. L'archange Raphaël, l'énergie verte, la flamme violette, la flamme verte, pardon. L'ange de guérison est auprès de toi, Rita. L'ange Raphaël te soutient dans tes efforts pour conserver ta santé. C'est beau. Ah, je suis contente. Il y a des personnes qui se connectent, c'est cool. Donc, l'archange Raphaël, voilà, c'est court mais pertinent et très très porteur, très porteur, très élévateur. On va la remettre là. Alors, Rita. Coucou Sylvain. Oh bah il y avait longtemps Sylvain. Ça va? J'espère que tu vas bien. Alors, j'en étais ici. Pourrais-tu me tirer une carte pour avoir un éclairage sur ce que je vis? Bien sûr, Ava. Bien sûr, Ava Cybèle. Je demande à l'univers une carte pour Ava Cybèle. Ensemble pour la lumière. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme, pardon, me rend par amour pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun. Oui, on en parlait tout à l'heure, Ava. Les personnes que l'on rencontre sont des personnes que nous avons attirées inconsciemment. Et si cette personne est en conflit, par exemple, je vais parler du côté négatif, hein, si cette personne est en conflit avec toi, cette personne-là, tu l'as attirée à toi pour travailler ce que tu vois en elle. D'accord? Donc c'est un miroir.
un miroir négatif, mais qui te permet d'œuvrer pour toi et te dire, bon, bah, j'ai ça encore en moi, il faut que je travaille. Donc, tu peux remercier ce miroir. Et puis, si c'est un miroir positif, bah, là, c'est merci, merci, merci. Hein. Donc, voilà, ça que... Donc, chaque personne qu'on attire est là pour nous apprendre à nous connaître et à œuvrer pour nous, pour continuer de changer spirituellement et d'évoluer pour notre transformation intérieure. Donc c'est un service qui en fait c'est des contrats d'âme aussi, hein, tout ça c'est des contrats d'âme, d'accord? Ouais. Donc j'espère que cette carte t'a éclairé, Ava. Rita, très bon exemple, compagnon, Lex. Il y a encore du taf pour moi, mais le sujet n'est pas d'actualité. Il va l'être, mais pas ici et maintenant. Je dois d'abord bouger toutes les autres choses. Alors, ensuite, oui, Rita, hop, je reviens. Coucou Sylvie, bonsoir. Coucou Muriel, bonsoir. On se voit bientôt Muriel à la SPTT, j'espère. Avec plaisir Joséphine, avec plaisir. Rita, j'adore ton chapeau, il me met de bonne humeur. Oui, j'avais envie, une lubie. Voilà, j'ai osé. C'est pas du tout d'actualité, en accord avec les cartes ou quoi que ce soit, mais j'avais envie. Donc voilà, ouais, toujours de bonne humeur. Ok, Ava, super, bah, je suis contente que cette carte te fasse ce petit rappel, ce sont des rappels, hein. On est au courant de tout ça déjà, mais il suffit des fois un petit peu de temps des fois pour intégrer. On comprend intellectuellement, mais tant que c'est pas intégré, et ben, on se recogne à la même porte jusqu'à ce qu'on comprenne. On est tous passés par là, hein, et puis ça arrive encore de temps en temps. Hein. Voilà, donc se respecter soi, hein, se respecter et ne pas accepter des choses. Voilà. Oui, alors voilà, bah, merci pour mon chapeau, Rita. Oui, alors tiens, ça me fait penser, je sais pas, ça me vient tout de suite dans la tête, donc il faut que je vous le dise, parce que si ça me vient dans la tête, c'est que c'est important, c'est que vous devez l'entendre. Ne culpabilisez pas quand vous êtes en train de rire, de vous amuser. Ne culpabilisez pas. Même s'il y a des choses affreuses dans notre dimension, dans la troisième dimension de la Terre, ne culpabilisez pas. Quand vous riez, vous augmentez votre taux vibratoire et vous permettez à la Terre aussi, à vos frères et sœurs et à la Terre, à l'univers, enfin à la planète Terre, d'augmenter son taux vibratoire aussi. Et c'est un peu comme si vous mettiez de la lumière. Quand on met de la lumière, on voit toutes les ombres, et les ombres, elles sont vues, donc du coup, elles sont transmutées. Donc là, c'est la même chose, d'accord? Parce que bon, voilà, ça arrive qu'on nous dise, bah oui, mais comment tu... Moi, je peux pas, avec tout ce qui se passe, j'ai des petits-enfants, je peux pas être bien. Bah oui, mais c'est ton choix. C'est ton choix si tu choisis d'être mal. Si on est mal, comment on peut aider les autres? Comment on peut aider les autres si on est mal? On ne peut pas aider les autres. C'est impossible. Donc c'est important. Il ne faut surtout pas culpabiliser. Au contraire. Au contraire. Est-ce qu'il y a d'autres... partage, d'autres choses à faire sur les cartes. Est-ce que quelqu'un veut que je tire une carte, même sans question? On a parlé de plein de choses, c'était super intéressant, mais on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini. Moi, je veux bien. Tu veux tirer une carte? Vas-y, tire une carte. Ok. Alors. Donc, pour Juju. Détends-toi, tout va bien. Ne t'en fais pas, tout se passera bien. Et ça, toi, regarde.
Donc, bah écoute, c'est à toi de savoir quoi, dans quelle situation de ta vie. Mais t'as pas à t'inquiéter, hein. Tout va bien se passer. C'est génial. Avec plaisir. Catherine, coucou Catherine, bonsoir. Veux-tu que je tire une carte pour toi, Catherine? Peut-être une carte pour le groupe qui est branché en ce moment. Ce serait cool. Oui. Une carte aussi pour Sylvain. Alors, je vais commencer par Sylvain et après, je fais une carte pour tout le monde. Alors, Sylvain. Ouais, une carte à l'univers pour Sylvain. Là, il y a 36 cartes, donc c'est pas, t'as trop de messages, donc je vais continuer. Ok, voilà. Ta-ta-ta. Alors, ah, il faut que tu te protèges, Sylvain. Protège-toi des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de toi. Ferme les yeux, Sylvain. Ferme les yeux, s'il te plaît. Ferme les yeux. Et imagine, là, tout de suite, plein de petites étoiles autour de toi. Des petites étoiles cristallines. Plein de petites étoiles cristallines qui se collent les unes à côté des autres. Qui s'imbrique, qui fusionne. Et toutes ces petites étoiles collées les unes à côté des autres brillent de mille feux et t'entourent de lumière. Tu es au centre même de cette étoile cristalline. Wow. Une belle étoile cristalline tout autour de toi, devant, derrière, à gauche, à droite, au-dessus de toi et en dessous, tu es au centre même d'une étoile cristalline, pure, limpide, transparente, où il n'y a que l'amour et la lumière qui passent. Au centre même de cette bulle cristalline, tu te sens protégé, en sécurité. Et tu respires la paix du cœur, la véritable paix qui coule maintenant dans ton corps, dans tes cellules, dans tes veines. Et cette étoile cristalline dans laquelle tu es au centre brille. Étincelle de mille feux rayonne la sécurité. Tu rayonnes la sécurité. Elle fait fondre toutes tes peurs. Et cette étoile cristalline de sécurité que tu viens de créer autour de toi est connectée au ciel et à la terre, enracinée au centre de la terre. Et enraciné dans les antennes cosmiques de ton être multidimensionnel. Comment tu te sens maintenant, Sylvain? Dis-moi tout. Pendant ce temps-là, je vais regarder les autres. Alors, une carte pour le groupe. Oui, alors je regarde s'il y a quelqu'un d'autre qui s'est connecté. Alors, Rita, je voulais te dire aussi que avant que tu viennes, j'avais tiré une carte pour qu'est-ce que les humains ont besoin. Et c'était de demander de l'aide aux anges pour la situation que nous vivions aujourd'hui. Que sans aide, si on ne demande pas d'aide, ils ne peuvent pas intervenir à notre place.
Donc, ils nous demandent qu'on les appelle pour les aider. D'accord ? Donc, je demande ici à l'univers une carte pour les personnes qui sont connectées ce soir avec moi. Le rire. Vous avez besoin d'un bon rire. Alors riez, mes amis, riez ce soir avec moi, riez. Vous avez besoin de rire. Le rire, ça augmente votre taux vibratoire, ça vous protège. Et si vous riez, vous vous sentez merveilleusement bien et en joie. Vous n'êtes plus victime, ok? Incroyable, incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, le rire, ok? Coucou, je devais être hors sujet, j'ai confondu avec les questions que l'on peut te poser. Tu peux poser une question, Catherine, tu peux poser une question et je tire une carte pour toi, bien entendu. Alors, Catherine, je demande à l'univers une carte pour Catherine. L'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Alors, si tes parents sont décédés, c'est pour que tu te réconcilies avec cette éducation parentale que tu as reçue. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Quand on a difficilement du mal, quand on a des difficultés à pardonner des choses par rapport à nos parents terrestres, parce qu'il y a les parents divins, donc ben déjà on peut se connecter au Père et au Ciel, au Père Ciel et Mère Terre, nos véritables parents divins, pour recevoir l'amour et l'affection dont nous avons besoin pour vivre. Mais ce que je voulais dire, là je suis en train de dire plein de choses et je ne sais plus ce que je veux dire, par rapport à ça. Oui, si vous avez rencontré des souffrances avec vos parents, avec, dans votre petite enfance, tout ça, pour que ce soit plus facile à pardonner, vous pouvez aussi les imaginer eux-mêmes enfants. C'est-à-dire que vous visez votre père ou votre mère, petit garçon, petite fille, avec leurs propres souffrances par rapport à leurs propres parents. Voilà, ça peut aider beaucoup. D'accord ? Et se dire que ben, par rapport, ils ont fait du mieux ce qu'ils ont pu, par rapport à leurs croyances, par rapport à leur éducation, par rapport à la culture, par rapport à la société, etc. Donc, l'éducation qu'ils ont reçue, ça, c'est beaucoup, beaucoup de choses comme ça qu'il faut en tenir compte. Donc voilà, Catherine, j'espère que cette carte t'aide. Et puis ton chapeau, il me donne l'impression que tu, que tu vas bientôt passer à l'apéro. Je bois pas d'alcool. Je bois pas d'alcool. Mais c'est vrai que oui, c'est, ben ça, c'est un chapeau, c'est un chapeau cow-boy. Mais bon, oui, pourquoi pas. Les moritos, non, c'est comme ça que tu dis, t'as pas mexicain vendredi soir et que ta soirée va être festive. Mais écoute, non, même pas. Mais bon, c'est merci de ce rire que j'ai encore eu grâce à toi. Je ne me prends pas au sérieux, moi. Je suis... Dans ma tête, j'ai 15 ans. Hein. Partante pour les mojoto. C'est comme ça qu'on dit, mojoto ? Morito. Morito ? Ah bon, bah c'est écrit mojoto. J'y connais rien dans l'alcool. J'y connais rien. Merci pour ces belles énergies. Merci, Christina. Mieux, merci, infinie gratitude, merci, merci à, avec plaisir, Sylvain, si j'ai pu t'aider à te sentir mieux, super, je suis contente. Alors là, extraordinaire, la carte du rire rejoint mon commentaire que j'avais mis juste avant que tu tires la carte. Oui, bien sûr, mes parents étaient des amours. Eh ben, c'est génial, Catherine.
C'est génial. Alors attends, que je relise ça un petit peu. Non, c'était pas celle-là. L'amour de mes parents, quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Bon, peut-être que donc si tes parents étaient si tu as été élevé dans l'amour et que tu n'as aucune chose à travailler là-dessus, et ben c'est peut-être la carte veut peut-être te dire que s'ils te font un petit coucou tout simplement, qu'ils sont là en ce moment près de toi et qu'ils te font un petit coucou et que leur présence est chez toi là où tu habites. Ils sont là présents, voilà. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Il y a des mojitos sans alcool, bah, peut-être, je sais pas, mais j'y connais rien à l'alcool. C'est pas mon truc. Mais bon, j'aime bien quand même recevoir les amis et discuter. Donc c'est là, on peut s'amuser sans alcool, hein, ça, vous avez vu, hein, vous avez remarqué. Hein. J'aime bien vous faire rire aussi. Coucou Claude, bonsoir. Rita, oui, absolument pas besoin d'alcool pour rire. Encore mieux, moi aussi non plus, d'accord. Merci pour ce beau retour. Oui, oui, c'est ça que ça veut dire, Catherine. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, on a vu beaucoup de choses ce soir. Hein. Donc, Donc, Sylvain, la petite protection qu'on a faite ensemble, là, tous ensemble, la méditation, on va dire, une petite méditation d'une, d'une étoile cristalline autour de soi, et nous au milieu. Je pense que les autres l'ont fait en même temps aussi que Sylvain. Hein. J'espère que vous avez pris cette opportunité pour faire justement cette petite méditation qui n'était pas prévue. Pendant quelques secondes. Voilà. On a eu des beaux partages. Oui, bah oui, bien sûr, je me doute bien que les autres en ont profité pour se connecter et. Ouais, c'est ce qui m'est venu en fait. avec plaisir, avec grand, grand plaisir. Alors, on a tiré une carte pour l'humanité. Donc, de demander de l'aide à l'univers. On a demandé une carte pour le groupe. Donc, c'était le rire, qu'il fallait rire. En fait, tout est complémentaire et relié. Tout était complémentaire et bien. Oui, c'est marrant, c'est rigolo. Ça m'a fait grand bien de rire et de t'entendre rire. Oui. Merci et surtout de rire ensemble, cela me manque en ce moment. Ben oui, oui, c'est plus difficile. Hein. Alors, il faut cultiver le rire au quotidien, hein, ça, pour augmenter votre taux vibratoire, cultiver le rire au quotidien, ça, même si on est tout seul, il y en a qui ont des animaux, donc des fois les chats ou le chien... Si vous avez des poules, enfin n'importe quel animal, quand on les observe, vous avez aussi des fois des crises de rigolade, hein, avec les animaux. Ils nous font rire aussi. Ça peut être dans la nature, plein de choses. Enfin bon, faut garder son cœur d'enfant. Hein. Faut garder son cœur d'enfant et surtout ne jamais culpabiliser de rayonner sa joie de vivre pour les autres. Au contraire. Plus vous riez et plus vous augmentez votre taux vibratoire et plus vous participez à l'émergence de ce nouveau monde qui est déjà arrivé, mais qui augmente sa vibration tout le temps. Donc vous participez à l'émergence d'une nouvelle Terre.
Votre vibration est beaucoup plus légère aussi, bien sûr. Hein, vous n'êtes pas dans la lourdeur, vous êtes dans la légèreté. Donc ça, c'est important aussi. Si vous avez envie de danser, vous mettez de la musique, n'importe quelle musique, vous dansez. Si vous avez envie de chanter, vous chantez. Le chant, c'est pareil. Hein, même si on ne sait pas chanter, ce n'est pas un problème. On met karaoké et vous allez voir, vous allez vous sentir nettement mieux. Essayez, il faut expérimenter. Hein. Faites plein de choses qui vous donnent de la joie de vivre et que dès que vous avez envie de faire quelque chose, il faut le faire. Voilà. Allez dans la nature le plus possible. Là, Sylvain, va dans la nature le plus possible, touche les arbres. Tu te rappelles le stage qu'on a fait ensemble? Va toucher les arbres, essaye de te rappeler tout ce que tu as fait avec moi. Et l'énergie de l'arbre peut t'aider aussi à te sentir protégé, à augmenter ton taux vibratoire et surtout à travailler tes émotions. N'oublie pas que l'arbre est aussi un miroir. Ce sont nos frères, c'est un miroir, l'arbre qui nous fait voir dans quelle émotion on est aujourd'hui. Ah bah oui, tu fais rire. Quand tu chantes, tu fais rire tout le monde. Christina, bah c'est cool, c'est bien. C'est bien de faire rire tout le monde, c'est génial. C'est trop bien. Il faut pas se prendre au sérieux, il faut être... accepter les plaisanteries, enfin ne pas être susceptible, et puis voilà, c'est ça, ça roule, c'est bien. Oui, bah oui, bien sûr que tu te souviens, hein, Sylvain, bah oui. Donc j'espère que tu as des arbres autour de toi. Oui, mais c'est pas grave s'ils ont mal aux oreilles. C'est pour t'embêter gentiment. C'est parce qu'ils t'aiment, justement, ils t'apprécient. Et comme ça, tu les fais rire. Ouais. Donc, allez vous connecter ou toucher les arbres. Les arbres, c'est un excellent moyen aussi de se relier au ciel et à la terre. Et. Vous allez vous sentir beaucoup mieux après, défatigué. Si vous êtes fatigué, si vous avez trop fait d'ordinateur, moi j'ai fait beaucoup d'ordinateur aujourd'hui. Parce que les amis, je suis en train d'écrire un livre. Je suis en train d'écrire un livre, c'est-à-dire que je suis en train de réécrire tout ce que j'ai écrit comme message depuis 2005, vous imaginez. Donc là, ce que je fais, c'est 2005-2006. Donc ça sera un volume 1. Donc tout ordinateur, c'est hyper fatigant, et ça rabaisse le taux d'énergie. Donc cet après-midi, j'étais dans mon petit jardin pour me connecter à l'arbre, à mon peuplier, parce que j'étais, à un moment donné, j'en pouvais plus, j'étais hyper crevée. Donc voilà, on a été se connecter à l'arbre, et ça fait un bien fou, quoi, un bien fou. La fatigue s'envole, c'est génial. Alors, oui, j'ai un sapin qui me fait des soins. Oui, génial, bien sûr, super. Et oui, il faut oser, Rita. C'est-à-dire que j'avais déjà osé, hein, à cette époque-là. J'avais trouvé un éditeur, et l'éditeur, la maison a coulé, donc j'ai tout perdu. Voilà, j'ai tout perdu, l'argent, tout. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à refaire confiance à qui que ce soit. Et j'ai laissé couler les années passées. Et c'est maintenant, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, il faut absolument le faire, parce que c'est, tu dois le faire. Je sais que je devais le faire. Bien sûr, je savais que je devais le faire. Mais cette personne-là m'a dit, tu dois le faire, il faut que tu le fasses. Et je serai ton premier, comment on peut dire, la personne qui achète un livre. Ton premier... ton premier acheteur. Donc je me suis dit, il faut que je me prenne par la main, il faut que je fonce. Et puis j'ai aussi mon compagnon qui m'aide, donc voilà.
Rita, non, Catherine, je dois remettre tous mes écrits. Oui, toi aussi, bah oui, bien sûr. Je sais que tu écris beaucoup aussi, toi, Catherine. Catherine. Bah oui. Ouais. Oui, parce que moi, c'est des cahiers de brouillon. Hein. Moi, c'est des cahiers de brouillon, des cahiers de brouillon, des cahiers de brouillon, des cahiers de brouillon que j'ai, qu'il faut que je remette sur l'ordinateur. Donc, Catherine, je t'encourage à le faire, franchement. C'est peut-être un message pour toi, justement, ce soir, tout ce que je te dis là. Mais chaque personne est capable d'écrire. Hein. On a tous des capacités, des dons insoupçonnés qui sont en train de se réveiller. Donc, Catherine, fais-le, fais-le, fais-le. Voilà. Alors, le titre de mon livre que je suis en train de réécrire, le titre, c'est un message que j'ai reçu pendant une canalisation où j'étais super mal, où je pleurais, j'étais trop trop mal. J'étais très très mal, je pleurais, donc c'était en 2005-2006, je ne sais plus exactement la date. J'étais toute seule dans un endroit pour pouvoir extérioriser mon mal-être. Et j'ai reçu tellement d'amour, il y avait plein d'êtres de lumière autour de moi. J'ai reçu énormément d'amour et ça m'a encore fait pleurer encore plus. Parce que j'étais tellement, je recevais tellement d'amour que ça m'a fait tout drôle. Et j'ai pleuré, je pleurais, je pleurais. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous me donnez autant d'amour? Moi je suis rien du tout, je ne suis rien. Pourquoi vous me donnez autant d'amour? Et la réponse que j'ai eue, c'est nous sommes en toi, tu es en nous. Et ça, cette phrase, elle m'a percutée là. Et je m'en rappellerai tout le temps. Donc, ça, c'est le titre de mon livre. C'est le titre de mon livre. On a tout en nous. Tout en nous. Alors, c'est drôle. Cela fait 3 personnes qui disent qu'elles mettent leurs écrits sur ordinateur. C'est l'énergie du moment, certainement. Certainement. C'est-à-dire oser mettre sur la matière ce que l'on est. Nous sommes des êtres divins dans des corps humains. Et c'est cette partie divine que l'on retranscrit sur la matière, sur un papier, ou sur un dessin, si c'est une peinture, etc. Sur un, voilà. Donc, c'est pour pouvoir aussi partager ça au monde, enfin, c'est-à-dire... J'ai des personnes, moi, quand ils lisent mes canalisations, ils pleurent parce que ça résonne en eux. Donc, ça les aide. Ça aide à travailler sur le corps émotionnel. Pour pouvoir... parce que notre corps émotionnel, il a besoin d'être... on a besoin d'être... Comment on appelle ça de maîtriser. On a besoin de maîtriser notre personnalité divine. De la maîtriser. Donc, on fait descendre pour travailler notre corps... notre corps émotionnel qui nous joue encore des tours, et puis il y a aussi le corps mental, bien sûr. Donc on a besoin de faire descendre notre esprit dans tous nos corps, quoi, en fait, pour nous réaligner. Donc ça doit être l'énergie du moment, si tu connais beaucoup de personnes qui écrivent en ce moment. Alors Catherine, j'ai remis des nouvelles au propre avec fond musical. Waouh, bah dis donc, c'est beau ça. C'est super, Catherine. Fond musical. Bah, dis donc, t'es douée, hein. C'est génial, hein. C'est super. T'as appris beaucoup de choses aussi sur l'ordinateur. C'est bien, c'est bien. Moi, c'est pareil, j'apprends beaucoup de choses sur l'ordinateur aussi. En ce moment, j'ai beaucoup évolué aussi sur l'ordinateur. Donc, c'est cool. Entre autres, tous les nouveaux réseaux sociaux. Parce que j'avais demandé à Rita de l'aide. Je ne comprenais rien du tout. VK, Odyssée... Oh, pour moi, c'était compliqué. Mon Dieu, comment c'était compliqué. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire, hein, beaucoup de mal. Et maintenant, ça y est, c'est parti. Rita, une question. Si tu mets par écrit des canalisations de 2005-2006... Oui, 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 c'est toujours d'actualité. Je dis malheureusement, parce que nous, les humains, on a du mal à comprendre. Oui, malheureusement, c'est encore d'actualité. C'est incroyable, c'est incroyable, incroyable. Les vibrations et la Terre a tellement changé. Oui, mais c'est toujours d'actualité, je te promets. C'est toujours d'actualité. Tiens, il y a un chat qui veut tirer une carte. Il y a Corail qui veut tirer une carte. qu'est-ce que je veux dire? Bien sûr que l'énergie a beaucoup changé. Heureusement d'ailleurs, elle a beaucoup changé.
Mais les messages sont toujours les mêmes. C'est fou, quoi. On a du mal à comprendre. Et puis, je vais vous expliquer, par exemple, là, quand j'ai relu tous mes textes, quand je les ai écrits, il y en a un que j'ai relu. Et quand je l'ai relu, celui-là, j'ai pleuré, alors que c'était moi qui c'était par rapport à ma souffrance du moment, par rapport à ce que je vivais. C'était des choses difficiles que je vivais, donc j'étais pas bien du tout dans ma tête et dans mon corps, donc j'étais très très mal, donc je pleurais. Et quand j'ai écrit, c'était des choses qui m'ont aidé, bien sûr, hein, qui m'ont fait avancer. Et quand j'ai relu le texte, j'ai repleuré, parce que je ressentais la souffrance dans le texte dans lequel j'étais. Vous vous rendez compte? Et quand je me suis remise à pleurer, je me suis dit, il y a encore des choses, quoi. Il y a encore des choses. Il y a encore des choses qui ne sont pas encore guéries. Des parties de moi qui ne sont pas encore guéries. Alors bon, après, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, mais si vous ne me croyez pas, ce n'est pas un problème pour moi, parce que je n'ai pas besoin de me justifier ni quoi que ce soit. Mais c'était l'énergie christique, donc c'était Jésus qui me parlait et qui me dit qu'il m'aime, enfin plein de choses comme ça. Et quand j'ai relu ça, mais j'ai pleuré, mais c'est impressionnant, quoi. Je me suis dit, il y a encore des choses qui sont encore... parce que des fois, je pleure de joie, mais là, c'était encore comme si, quand je pleurais, comme si je me disais, mais si tu savais comme tu me manques, c'est ça, en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu autant de décennies avec lui, et quand j'ai relu le texte, je me dis, mais c'est trop dur, quoi, de vivre sans toi. Alors après, on peut me traiter de folle, c'est pas un problème, hein. C'est ma vérité, c'est la mienne, et j'affirme ce que je dis. Alors, donc, j'en étais là... tes messages, tu m'aides aussi énormément depuis que je te connais. Oui, mais c'est parce que tu acceptes aussi d'ouvrir ton cœur à la guérison. Sinon, ça passe pas. C'est toi qui te guéris. C'est toi qui réactives ton pouvoir d'auto-guérison puisque tu acceptes de t'ouvrir à cette nouvelle réalité. Tout ça, je peux rien faire. Hein. C'est toi. Moi, je suis juste... pendant un certain temps, un canal, un instrument entre le ciel et la terre pour t'aider, c'est tout. Et après, ce qui compte, en fait, je le redis aussi, bon, je dis toujours ma vérité, la mienne. Si on n'est pas en accord avec ma vérité, ce n'est pas grave, parce que chacun reçoit sa vérité et chacun est sur son chemin. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, par rapport à ça, c'est que... hein, c'est parti. Ça me fait penser à une autre chose qu'on a dit par rapport à la guérison, c'est que il y a de plus en plus de thérapeutes aussi sur Terre, sur notre planète. Il y a beaucoup de plus en plus de thérapeutes. Pourquoi? C'est parce que quand vous commencez à avoir une clientèle, les personnes que vous attirez à vous inconsciemment sont aussi des miroirs pour vous guérir. Donc les clients, les personnes que vous accueillez sont là aussi pour vous guérir. Mais il y avait autre chose que je voulais dire, mais ça m'est parti, ça va peut-être revenir. Comment fait-on pour connecter notre esprit avec nos différents corps? Eh bien, écoute, on peut le faire là vite fait, si tu veux. Tu enfermes les yeux et tu dis tout par le pouvoir de la parole, parce que le pouvoir de la parole, c'est plus important. Et tu dis, je fais descendre mon esprit dans mon corps esprit divin, dans mon corps causal, dans mon corps éthérique, dans mon corps spirituel, dans mon corps énergétique, dans mon corps mental, dans mon corps émotionnel, dans mon corps physique,
dans mes cellules, dans mes corps subatomiques. Alors Christina, si tu veux, tu vas me donner cette opportunité de faire une vidéo là-dessus. On va faire une vidéo là-dessus la prochaine fois. Donc je pense que pendant les vacances scolaires, je crois que j'ai tout rempli. J'ai tout rempli du lundi au vendredi. Mais je vais mettre ça, je vais programmer ça pour le mardi, donc dans 3 semaines. Enfin, dans 3 semaines, dans 15 jours maintenant, parce que c'est la première semaine de vacances. Donc, dans 15 jours, je vais regarder si j'ai programmé quelque chose. Sinon, ça sera le mardi suivant. Et on va travailler ça. On va faire ça. OK ? Ça s'appelle « Comment maîtriser sa personnalité ?»« Comment réintégrer tous ses corps ?»« Se réaligner en un corps, en un seul corps, dans l'union et dans le partenariat et dans la bienveillance avec tous ses corps. » On va faire ça à mardi, ok? Déjà, ça te donne une idée de ce qu'on peut faire. Et le fait de demander, bah, tu reçois et ça se fait, tout simplement. Et au fur et à mesure que tu fais ça au quotidien, et bah, tu changes aussi, tu te transformes, tu évolues. Ok. Christina, c'est bien Christina. Il faut partager hein, vos connaissances, hein, tout ce que vous pensez être bon pour l'autre et les autres, tout ce qui peut être bien pour le bien commun, pour vos frères et sœurs, dès qu'il y a quelque chose qui vous interpelle et que vous pensez que ça, vous pouvez le partager, faites-le surtout, faites-le. Et vous recevrez d'autres informations. Coucou Dominique. Salut cousin. Alors, Marie-Christine, n'oublie pas de sauvegarder tes écrits sur un disque dur externe. Eh bien, écoute, écoute, Rita, c'est merci de me le confirmer parce que j'ai eu cette information aussi. Je me suis laissée inspirer, je me suis permise de faire cet achat et j'ai acheté un disque dur la semaine dernière. Donc, je n'ai pas encore fait, mais bon, on va le faire. Hein. J'ai acheté le disque dur et pour mettre mes écrits de mon livre sur ce disque dur du PC. Donc c'est génial, merci de me confirmer. Donc si tu me le redis, c'est la deuxième fois que tu me le dis, donc il faut qu'on le fasse absolument, très rapidement. Ouais, oui parce que ça bug beaucoup, oh là là, oui c'est sûr, oh là là, c'est terrible. Ouais, c'est pour ça qu'il faut vous abonner à mes nouveaux réseaux sociaux que je mets sous chaque vidéo, hein, ma chaîne YouTube Marie-Christine Gendron. Sous chaque vidéo, maintenant, je mets les nouveaux réseaux sociaux. Il faut surtout que vous alliez vous abonner à mes nouvelles chaînes, à mes nouveaux réseaux, parce que sinon, un jour, je vais avoir prévu une vidéo live Facebook et vous n'allez pas me voir. Vous n'allez pas me voir parce qu'on ne pourra plus. Christina, t'es extraordinaire. Merci, Christina. Depuis pas mal de temps, la nuit, je passe du chaud au froid dans mon corps. Est-ce que c'est un signe que mon ange gardien essaie de m'envoyer des messages? Alors, non, c'est on travaille sur toi. La nuit, on travaille sur toi. Donc, si on travaille sur toi, c'est que on est en train de travailler sur ton corps physique, mais aussi sur tes émotions, etc. Donc, oui, tu peux avoir des messages, bien sûr. Hein. Donc, c'est un... On est en pleine mutation. Si on veut bien être... À l'écoute de cela, bien sûr. On est en pleine mutation. Donc, quand on est réveillé la nuit, etc., au lieu de s'énerver, eh ben, ça ne sert à rien. Hein. On ferme les yeux, on se met en état de réceptivité, on accueille ce qui vient et on est rempli de gratitude. Donc, le corps, il peut bouger tout seul. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ça bouge tout seul ou je sursaute. Bon, voilà. Et puis, vous recevez peut-être aussi des informations, des inspirations, des choses comme ça. Oui, bien sûr. Les rêves aussi, notez vos rêves. Pour ceux et celles qui se rappellent des rêves. Alors, il y en a peut-être qui vont trouver ça bizarre tout ce que je dis. Hein, mais bon, voilà, moi j'ai décidé maintenant de dire ma vérité, d'oser dire ce que je suis. Depuis le premier confinement,
Maintenant, c'est mes vidéos, c'est que ça. Donc, j'aurais jamais pensé, avant le premier confinement, de pouvoir parler de tout ça. C'est impressionnant. Le bon que j'ai fait par rapport à ça, c'est-à-dire oser exprimer par la parole ce que je ressens et dire les choses de ce que je suis. Incroyable. Voilà. Et puis les personnes qui ne sont pas en accord, ben, ils quittent la vidéo, puis voilà, c'est pas un problème. Hein. Ah oui, Facebook n'est pas facile, n'est pas fiable, pas comme. Bah, par contre, Odyssée ne censure pas. Ouais, alors je mets toutes mes vidéos sur Odyssée. Hein. Tous les soirs, j'enregistre sur Facebook. Ensuite, je prends l'original, c'est-à-dire que la vidéo, je la mets sur mon PC. Je prends l'original et je la mets sur Odyssée et après sur VK et sur Rumble. Voilà. Et j'ai aussi, comment je veux dire, ma boîte email, ProtoMail, qui est une boîte mail chiffrée. Hmm? J'ai Telegram aussi. Odyssée, oui. Toutes les vidéos sont sur Odyssée. Hein. Celle-là, ce soir, sera mise aussi sur Odyssée. Hmm? Alors, oui, La Belle Verte. Alors, je vous conseille de regarder La Belle Verte. Ah, ça, La Belle Verte. Ça, non, dans tous les stages que j'encadre, ils y ont droit. Hein. Ils y ont droit. La Prophétie des Andes. La Belle Verte. Ça, c'est. Il faut absolument regarder ça. C'est obligatoire. Le secret, c'est génial. Le secret, c'est pareil. Je partage beaucoup aussi. Ça dure longtemps, mais c'est pas grave. C'est un documentaire. Pour le secret, comme ça dure 2 heures, moi, les personnes qui ont du mal à écouter ou qui ont du mal à sortir de la tête de l'eau parce qu'ils sont déprimés, je leur dis, mettez le secret sur YouTube. Laissez défiler le secret. Même si vous n'avez pas la capacité d'écouter parce que vous êtes fatigué, vous êtes au bout du rouleau, mettez le secret. C'est subliminal, mais positif. Votre esprit va capter des choses subtilement pour votre bien-être. Et au fur et à mesure, votre inconscient va être nourri de choses positives, vous allez être informé de choses positives, et vous allez vous apercevoir que, tout doucement, sans que vous fassiez quoi que ce soit, vous allez être de mieux en mieux. Donc, si vous n'avez pas la force et la vitalité pour écouter un documentaire qui s'appelle Le Secret, mais qui est génial, eh bien, vous le mettez en boucle. Vous le mettez en boucle. Dès qu'il est fini, vous le remettez dans la journée en faisant la vaisselle, la cuisine, quoi que ce soit, ou même en dormant, si vous faites une sieste, et vous allez voir que vous allez être transformé. C'est magique, c'est génial. Ça, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Alors, je ne peux... Oui, c'est ça. Oui, oui. Bah ouais, ouais. Oui, oui, il faut absolument aller sur Odyssée. Les personnes qui sont en accord avec mon énergie, avec tout ce que je vous dis et toutes les vidéos que je partage depuis le premier confinement, si vous avez envie de continuer de me suivre, allez sur Odyssée. Vous avez le lien sous chaque vidéo. Allez vous abonner et moi je vous prends et comme ça on est connecté tout le temps. Alors hop là. Rita, ouais, oui, parce que Odyssée, sur Facebook, j'ai une vidéo, moi, qui a disparu. Hein, une vidéo de yoga, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, elle a disparu. C'est que du yoga. Hein. Elle a disparu. Des fois, j'ai fait une méditation il n'y a pas longtemps, j'étais coupée, donc heureusement, c'était la fin. Mais bon, et puis ça rame aussi. Puis ça rame. Même les PC, ils rament. Même les PC. Alors, en parlant des PC, je fais une petite parenthèse. Vous avez dû remarquer aussi que même les PC, même les ordinateurs, ça rame. Donc si ça rame, ça veut dire peut-être qu'on sera un jour sans ordinateur. Si un jour on n'a plus d'ordinateur, d'accord? Je vous le redis, j'avais dit ça au premier confinement, mais je vous le redis maintenant. Si on est déconnecté d'Internet, on n'a plus rien. Tous les soirs à 18h, je ferme les yeux et je me connecte avec vous par télépathie. Ok? Et vous pouvez demander mon aide et demander mon énergie,
Et je donne, et je donne, et je donne. Ok ? Donc ça, c'était une petite parenthèse. Ensuite, tels que les lanceurs d'alerte, vidéos, films, des groupes de... Ouais, c'est génial. Ouais. Les décodeurs, Muriel... non, c'est Magali, Robin. Voilà, il y en a plein. Trop tard. J'ai réussi à Crumble. Ah, super, Catherine ! Donc... Si tu as réussi avec Crumble, et ben écoute, tu prends mon lien et puis on se. Comme ça, tu verras mes vidéos sur Crumble. Josiane, coucou Josiane. Coucou Josiane, comment tu vas? Pascal, alors, les nouveaux qui arrivent. On a dit plein de choses depuis 18h. Depuis 18h, on a fait les cartes, bien sûr. On a tiré une carte pour ceux et celles qui le veulent bien entendu, qui me donnent l'autorisation de le faire pour eux. Donc, Josiane, qui vient d'arriver, si tu veux, si tu me donnes l'autorisation, je tiens une carte pour toi. Et Pascal, si tu as envie aussi. Mais je ne peux pas le faire si vous ne me le dites pas. Ensuite, on a parlé de plein de trucs. On a parlé de l'alimentation, du respect de soi. On a parlé de plein de choses grâce aux cartes. Donc, je peux tirer une carte pour vous. Et après, si vous voulez vous reconnecter depuis le début... Je vous encourage et je vous invite à refaire cette vidéo en replay depuis le début parce qu'on a fait une toute petite vidéo et un tout petit exercice aussi pour se reconnecter, enfin, pour se réaligner, on va dire plutôt. D'accord ? Donc, c'est bien de pouvoir regarder le début. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que toutes les cartes que vous avez entendues, c'est aussi des miroirs pour vous. Hein. Alors, Josiane, est-ce que tu veux que je tire une carte ? On a parlé du rire aussi. Est-ce que tu veux une carte? Et puis, Pascal. Et on va finir là, parce que bon, on a fait quand même... on a fait quand même... Oui, on a fait presque 2 heures. Ok, Josiane. Alors, je demande à l'univers une carte pour Josiane. Les fées. Tu as des liens étroits avec les fées, Josiane. Et le but de ta vie comprend la protection de Mère Nature. Donc, si tu ne le savais pas, tu le sais maintenant, tu es connecté avec les fées. Donc, tu peux travailler en partenariat avec eux, avec ces petits êtres de la nature, et puis dès que tu es dans ton jardin, etc., et demander aux fées de te faire des soins, par exemple, des choses comme ça. Tu te rappelles, quand on a fait le stage sur les arbres cet été, j'avais demandé si les personnes et les stagiaires étaient intéressés pour accueillir une fée en soi, à l'intérieur de vous, d'adombrer une fée pour recevoir un soin, par exemple, et pour l'emmener chez soi, en sachant que le soir, on la remet à l'extérieur de soi. Hein. On la garde pour la journée et on la met à l'extérieur de soi. Rita, oui, merci de nous rappeler que tu seras là vers 18h en cas de déconnexion ou coupure électrique durant quelques jours, car il se pourrait qu'on se retrouve dans ce cas de figure. Et j'avoue que je pourrais me retrouver démunie ou laisser... Ouais, bah oui, bien sûr, oui. Bah oui, c'est pour ça. Il y a certainement beaucoup de personnes qui vont avoir peur, qui vont être un peu perdues, mais surtout la peur, oui, de ne plus être connectées. Donc là, on va se connecter d'âme à âme et de cœur à cœur. À 18h, on fera de la télépathie et vous ressentirez mon énergie. Et on va développer ça. Ça va être un excellent travail justement d'expérimenter et aussi de développer cette capacité que tout le monde a en soi. Merci de ta présence mineuse. On se connaîtra en télépathie. On aura besoin d'être tous... Oui, et puis bon... Rita, si tu te connectes à moi, il y en aura d'autres, donc on sera vraiment plusieurs à se connecter. C'est ça qui sera bien. Donc l'énergie sera très forte aussi, hein, bien sûr. Plus on sera nombreux, et plus l'énergie sera forte, et plus on va rayonner une vibration d'amour qui va élever le taux vibratoire de la Terre pour enrayer ce processus de libération de la Terre. Waouh ! Plus on augmente son taux vibratoire, plus on libère la Terre, et plus on se libère.
J'arrive d'une bonne après-midi en forêt, comme bien entendu avec les êtres de la nature. Bah voilà. Donc tu as la confirmation que tu es bien, que tu as des, que tu entretiens bien des liens étroits avec les fées. Voilà. Et que ta mission sur Terre, donc si tu te poses la question, quel est mon but sur Terre, pour toi, c'est protéger la mère nature. Protéger mère nature, notre mère Terre. Voilà. Donc, si vous voulez faire la toute petite méditation qu'on a faite, qui n'était pas prévue, plus les, le réalignement, grâce à nos amis qui étaient connectés avec nous, eh bien, écoutez, je vous invite à refaire depuis le début et d'écouter aussi toutes les cartes et les partages. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Je pense que c'est OK pour tout le monde. Voilà, donc, voilà, super, Josiane. Merci beaucoup à tout le monde. Merci de votre présence, de votre lumière. Merci pour ce que vous êtes. Et je vous souhaite une belle soirée. Demain, on est... Demain, c'est le week-end, on est vendredi. Oui, c'est ça. Moi, je suis un peu déconnectée, là. Donc, la semaine prochaine, c'est vacances scolaires, pas de gym, parce que je respecte les vacances scolaires comme si j'étais... comme si je travaillais à l'extérieur. Donc, même si je suis confinée, je fais comme si j'étais à l'extérieur. Donc, pas de cours de gym. Donc, vous avez que des choses intéressantes pour travailler votre richesse intérieure la semaine prochaine, lundi, sophro. Vous avez du chant vibratoire. Vous avez plein de choses la semaine prochaine. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve lundi à 18h pour la sophrologie. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tout le monde et merci pour vos cœurs. Merci pour vos pouces. Et plein de bisous. Plein de bisous.